Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir, chez vous, Jean-Bernard Hébé, Elsa Fayer, Christine Bravo, Gérard Miller, Philippe Gueluc et Christophe Alévèque. Vous avez changé vos lunettes. Oui. Alors, quand on porte ça, on comprend toutes les conneries qu'elle dit. Non, mais... Et quand on porte ça, on comprend. Mais comment tu fais pour dessiner? Puisque on voit rien à travers tes lunettes. Ah, mais il croit qu'il dessine un chien depuis des années. Horrible. Ah oui, c'est horrible, bien. C'est horrible. Mais vos lunettes, à vous, Christine, on croit à des lunettes spéciales pour l'éclipse qui a lieu lundi. Oh non, arrête, elles sont sublimes. Regarde ces lunettes de créateur. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que les lunettes sont sublimes. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle du Premier ministre, Dominique de Villepin, hier soir à Matignon, quand il a reçu, regardez, Mireille Mathieu pour fêter son grand retour dans la chanson française. Bon, vous aurez reconnu en fait Bernard Thibault, le leader de la CGT, qui après la prise d'assaut par le GIGN du cargo corse, le Pascal Paoli, a accepté cette invitation du Premier ministre. Et quand on voit les photos de l'intervention du GIGN, avec quand même 5 hélicos, 2 croiseurs, des commandos marines, tout ça décidé par Villepin, on se dit qu'il est bien loin le temps où on disait que c'était un poète. Un commentaire, Gérard ? Bah, écoutez, c'est évidemment un acte très, très illégal que de détourner un bateau. C'est quand même dans le cadre d'un conflit social. Il n'y avait pas de doute que la police se devait d'intervenir. Je trouve qu'ils ont mis un peu beaucoup le paquet. C'est-à-dire que c'est pas quand même... Ah, c'est Bruce Willis, ça. Des terroristes qui étaient sur ce bateau, c'est des salariés. Même des Corses, c'est quand même des salariés. Il ne faut pas tout de suite avoir l'idée que Corse, ça veut dire... Vous avez remarqué, Gérard, que pour une fois, les types du GIGN ne portent pas de cagoule. C'est vrai. C'était pour être certain de reconnaître les types qu'ils devaient arrêter. Remarquez, ça a eu beau être spectaculaire. Malgré toutes les forces en présence, regardez, on voit sur cette photo publiée par Le Parisien des marins de la SNCM, c'est après, hein, qui ont une fois qu'ils sont arrêtés, qui ont participé au détournement du Pascal Paoli. Et on se dit quand même, vu leur tronche là sur cette photo, que c'est pas sûr qu'ils aient vraiment honte et que c'est pas gagné qu'on leur ait ôté l'envie de recommencer quand même. J'ai quand même entendu qu'ils risquaient 20 ans de prison. Ouais. Combien tu paries qu'ils vont pas les avoir? Ah ben, écoute, je sais pas, mais ça me paraît énorme, 20 ans de prison. On pourrait les envoyer aux galères aussi, et utiliser la galère pour faire l'aller-retour. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ignoreraient, que le ferry Pascal Paoli porte ce nom, Pascal Paoli, parce que Pascal Paoli était un patriote corse du XVIIIe siècle, chef de l'île qui lutta contre les Français, justement. La SNCM aurait dû appeler le cargo le Patrick Fiori, on aurait eu moins d'emmerdes. Hein. Le plus ennuyé dans cette affaire, c'est évidemment le Premier ministre, Villepin chahuté, titrait France Soir ce matin, qui note que Dominique de Villepin voit les difficultés se multiplier après la traditionnelle période favorable, l'état de grâce, comme on dit. C'est vrai que ces ministres ont fait pas mal de conneries cette semaine. Il y en a 2 ou 3, à mon avis, parmi ces ministres qui vont se faire appeler Arthur. Autre photo, celle du président Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, qui appelait aujourd'hui les Algériens à voter oui ou non à la charte sur la réconciliation nationale. Un document de 16 pages. Bon, le oui, normalement, c'est prévu, devrait l'emporter. Faut juste vérifier que c'est pas Giscard qui a écrit le texte. Et puis quand même, il y a un doute, parce que Laurent Fabius s'est pas encore prononcé. Gérard, je suis vraiment très, 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 très mal à l'aise parce que la réconciliation avec ceux qui égorgeaient les enfants, les femmes, qui veillaient surtout bien à ce que les couteaux soient rouillés au moment où ils allaient égorger les gens pour être sûr que ça les envoie directement en enfer. Quand du côté du président, on ne peut pas dire non plus qu'on a les mains beaucoup plus propres, moi, je préfère ne rien dire. Vive la paix, mais à quelles conditions? Quant à moi, j'ai cherché à dire des trucs rigolos sur le sujet, j'ai rien trouvé. Une autre photo, celle d'un calamar géant de 8 mètres, photographié pour la première fois dans le Pacifique Nord par des scientifiques japonais. Mais bon, attention, il faut se méfier, parce que des photographes japonais, faut quand même vérifier qu'ils sont pas en train de nous refiler une vieille photo voilée de la Tour Eiffel, hein, regardez. Mais les scientifiques ont en plus capté des sons. Et d'après une première traduction, le calamar géant aurait la voix de Philippe Bouvard et répéterait en boucle « Reviens, Kersozo, reviens, Kersozo ».
c'est affreux, cette histoire. Qu'est-ce qui est affreux? C'est affreux, ils lui ont arraché une tentacule. Alors, comme ils n'ont pas fait exprès. Ils n'ont pas fait exprès, mais comme vous savez peut-être pas, l'une des tentacules n'est pas une tentacule. Ah. Mais un sexe qui lui permet donc de... Ah, d'où l'expression, t'avances et tentacules, comment veux-tu? Et tranquille, il est à 500 mètres sous l'eau. Pourquoi les Japonais viennent lui arracher la caquette alors que... Non, mais c'est bon, vous n'êtes pas sûr que c'est sa caquette. Moi, j'ai une chance sur 8. Non, pas une chance sur 8. La pieuvre par 9. Bravo. On passe à Kate Moss, la top modèle anglaise qui a perdu ses contrats de mannequin, vous le savez, avec les grands couturiers, les grands parfumeurs et les grands joailliers. Tout ça parce qu'elle est totalement droguée. Heureusement, il lui reste un espoir. L'été prochain, elle peut être hôtesse sur le Tour de France. On termine par le PSG. La révélation d'un ancien directeur dénonce des contrats bidons, des transferts surfacturés et de l'argent versé aux joueurs à l'étranger dans le club de la capitale. On comprend mieux maintenant les résultats du PSG des saisons passées. Peut-être qu'il y a des buts qui ont été marqués à l'étranger dans la clandestinité et on ne l'a jamais su. Hein. Depuis quelques jours... La campagne d'affichage visant à promouvoir la Rainbow Attitude Expo, une grande exposition consacrée aux gays et aux lesbiennes, suscite une polémique à Paris. En effet, deux visuels, ce qu'on appelle deux affiches, tout simplement, ont été censurés par la société chargée de la publicité dans les bus et les métros, parce qu'on voyait des couples homosexuels, comme sur ces affiches, s'embrasser. Ces affiches ont été donc censurées, interdites, car elles... risquait, dit la société qui s'occupe de la publicité dans le métro, de choquer l'ensemble des voyageurs. Ces affiches ont donc été modifiées. On voit désormais ces affiches-là à la place. Bertrand Delanoë, le maire de Paris, a dénoncé cette décision discriminatoire. Nous allons accueillir la fondatrice de la Rainbow Attitude Expo. Elle est elle-même évidemment scandalisée par cette censure. Peut-on parler de censure? On va en discuter ensemble. Voici Régine Corti. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors, vous trouvez que c'est de la censure? Je trouve ça complètement scandaleux. Ce que l'on souhaitait, donc, c'était avoir une communication très militante et également pédagogique. Aujourd'hui, il est important de montrer, en dehors des clichés normalement véhiculés quand on parle d'homosexualité, montrer une réalité, que l'amour entre deux personnes du même sexe, ça existe et c'est une réalité. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, si on peut revoir les photos où les deux garçons ou les deux filles ne s'embrassent pas. Est-ce que ces affiches-là n'étaient pas suffisantes pour justement parler de votre exposition? Comme c'est l'avocat du diable. Tout à fait, mais quand j'emprunte les couloirs du métro quotidiennement, je vois des visuels de publicité bien plus choquants. Voilà. Où par exemple, quand on veut vendre un yaourt, on met une femme nue. Je veux dire, ça me choque bien plus que de voir deux êtres qui s'aiment tout simplement. C'est un simple bisou. Et c'est même pas un yaourt avec des vrais morceaux de femme dedans. Il n'y a aucun lien. Gérard. Vous posez la question, et c'est votre rôle d'animateur, est-ce que c'est de la censure? Il n'y a pas plus censure que ça. Est-ce que vous ne seriez pas immensément choqué si on disait « Ah oui, on veut bien que les homosexuels existent, mais alors ils ne doivent pas se prendre par la main dans la rue, ils ne doivent pas s'embrasser dans la rue parce que ça va choquer des gens. » Ces photos sont d'un soft incroyable. À partir du moment où on a quand même compris dans ce pays que l'homosexualité, ce n'était pas quelque chose d'ignoble, d'interdit, ces photos sont incroyablement plus soft que l'immense majorité des photos qui mettent en scène des femmes dans des postures particulièrement quand même désagréables. Moi, je suis tout à fait scandalisé. Oui, en plus, moi, je suis... J'aime pas le choix des deux femmes, parce que sur celle-là, on dirait que c'est un mec et une femme qui s'embrassent. Moi, je les trouve pas assez féminines, vos femmes. Ah. Moi, je vois deux femmes. Oui, mais parce que vous le savez. Cela dit, ça aurait peut-être été la solution si vous aviez mis la photo d'un gay et d'une lesbienne qui s'embrassaient. Ni vous ni connu. Le problème était réglé. En même temps, dites-vous quel pull formidable ça vous fait, parce que s'il y avait eu que ces affiches et qu'ils avaient dit oui dès le départ, on ne parlerait pas de votre exposition Rainbow Attitude dans cette émission, et grâce à ce changement d'affiche, finalement, vous allez avoir une promotion encore plus grande. Bah, écoutez, je m'en serais passée, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un retour en arrière.
ce coup de pub. On a un plan média qui allait très bien. Et le salon, par sa richesse et par sa diversité, vit tout seul. C'est du 21 au 24 octobre à la Halle des Expositions de la Porte de Versailles. Elsa Fayer. Alors moi, je suis un peu embêtée parce que moi, je suis maman. J'ai une petite fille qui a 6 ans, qui ne connaît rien encore à la sexualité, ce qui est absolument normal pour un enfant de 6 ans. Moi, je me promène avec elle dans le métro. Moi, j'ai envie que ma fille soit très ouverte d'esprit, mais chaque chose vient en son temps. Je n'ai pas vraiment envie qu'elle tombe sur cette photo, parce que je n'ai pas envie de lui expliquer tout de suite ce qu'est la sexualité. Parce que votre photo, ce n'est pas l'homosexualité, c'est la sexualité. Et ça, ce n'est pas pareil. C'est l'amour. Non, c'est la sexualité. C'est l'amour. Je suis désolée, s'embrasser avec la bouche ouverte, c'est pas de l'amour. C'est la sexualité. Je dis pas qu'il est pas joli votre bisou. Je dis pas que c'est mal de s'embrasser. C'est pas du tout ce que j'ai peur que ce soit mal interprété. C'est pour ça que c'est toujours très difficile. On est souvent taxé d'homophobe alors que c'est pas du tout le cas. Moi aujourd'hui, je pense qu'à 6 ans, j'ai pas envie d'expliquer à ma fille qu'il y a un modèle traditionnel puisqu'elle est issue d'un papa et d'une maman qu'il y a d'autres sexualités. Comme les enfants élevés par un couple homosexuel. Hein. Mais ils ça c'est encore un autre débat. On en a pas beaucoup. Il y a pas beaucoup de cas aujourd'hui en France. C'est quelque chose qui n'est pas encore démocratisé. À quel âge et tu voudrais lui encore... expliquer ça? Elle a 6 ans, à quel âge tu penses qu'il faut lui expliquer aux alentours de 10... Mais une année supplémentaire, c'est important. Pardon de vous contredire, Gérard, mais à l'âge où la maman ou le papa a envie de lui expliquer. Mais ça, c'est une question de maturité personnelle. Vous êtes désolé, Laurent, sauf que très bien, expliquez. C'est le droit d'Elsa, en tant que mère de famille, de choisir. Alors, autant que je lui dise que... Franchement, ta petite fille, elle sera au courant bien avant 10 ans qu'il y a des PD. Je suis d'accord, mais j'ai pas envie qu'on lui impose. Franchement, attends, j'ai pas envie. Tu veux que je dise clairement ? J'ai pas envie qu'on m'impose, qu'on me dise à quel moment je dois parler à ma fille de l'homosexualité. Et tu c'est quelque chose que j'ai envie de décider avec mon enfant. J'ai envie de décider en fonction de sa personnalité et de l'environnement dans lequel elle évolue. C'est quand même mon droit en tant que maman de savoir à quel moment ces questions-là vont être soulevées à la maison. Argument. Et ne parlons même pas de la rame de métro qui rentre dans le tunnel et sur laquelle les enfants se posent des questions. Non, Jean-Bernard Aidé. Alors, je suis entièrement d'accord avec Elsa, mais il y a surtout quelque chose que je suis obligé de vous dire a priori. Je n'ai aucune morale, aucune. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps, vos parties génitales, votre cul, je m'en fous éperdument. En revanche, ne venez pas me le mettre sous le pif, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai le même problème que Elsa. J'ai deux petites filles. On prend le métro. Je ne veux pas avoir à répondre à la question qu'elle pourrait éventuellement me poser. Excusez-moi, je suis contre et je suis pour la décision qu'a pris Métrobus de ne pas vouloir afficher ses affiches. Maintenant, les autres, où ils ne sont pas en train de s'embrasser sur la bouche, formidable, vous voulez faire la promotion de votre opération commerciale sur les homosexuels, tant mieux, bravo, faites ce que vous voulez. Mais venez pas me mettre ça sous le nez, ni sous le nez de mes enfants. C'est tout. Gueuluc. Je voudrais vous poser une question sur le salon lui-même, parce que vous présentez des activités culturelles, sportives. J'ai relevé notamment la présence de Gay Rando lors du salon. Donc c'est un guide qui conseille des randonnées pédestres. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a aussi des randonnées lesbiennes? C'est malin, ça, Gueuluc. Oui, c'est malin, ça. Hein, mais j'ai rien de vous, là. Oui, j'avoue. Christophe Alévèque, votre avis? Évidemment. Hein. Non, mais personnellement, moi, ça ne me dérange absolument pas, pas du tout. Quant aux enfants, alors moi, j'ai fait le test justement avec le plus grand. C'est vrai qu'il a 13 ans. Et je lui ai montré ça. Hein. Je lui ai montré l'article de presse. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Il m'a texto répondu... Il y a trop de textes et c'est écrit trop petit. C'est-à-dire que, en fait, il n'avait même pas remarqué, et pourtant il est resté longtemps devant, il n'avait même pas remarqué qu'il y avait deux mecs qui s'embrassaient. Alors, donc, du coup, j'ai rien eu à lui expliquer. Je ne vais pas montrer la photo de défi qui s'embrasse, déjà qu'il n'est pas motivé pour aller à l'école. Alors, Et puis, moi, il y a un truc qui me... Mais c'est pas dans dans les photos, c'est pas dans... Moi, je trouve aussi que c'est de la censure et que c'est ridicule. Mais vous faites ça parce que c'est la réalité. C'est-à-dire, il y a des gens de sexe, deux hommes qui peuvent s'aimer, deux femmes. La réalité, là, je vois deux beaux mecs musclés et sur l'autre photo, je vois deux belles nanas. La réalité, c'est quand même le bedonnant. On a reçu les deux mecs qui sont mariés à Bègle.
C'est vrai ce qu'il dit, n'empêche. Alors, si vous voulez vraiment toucher les gens avec la réalité, vous mettez, il faudrait aussi un boudin avec de la cellulite et... Mais ils sont normaux, ils ont 30, 35 ans. Ils sont normaux plus quand même. Là. Dites, s'ils sont tous comme ça au salon, je vais y aller, je vais prendre les dates. 21, 24. Pour résumer un peu, je suis toujours partagé dans tout ce que dit, je comprends complètement ce que dit Gérard. Moi j'ai du mal à employer le mot censure, Gérard Miller. Je ne veux pas défendre la société en question, j'ai du mal à employer le mot censure parce que moi une censure, ce serait une société qui aurait dit « je ne veux pas d'affiches pour le salon homosexuel dans le métro ». Or ouais. C'est pas ce qu'on vous dit, on vous dit « ces affiches-là, pour votre salon, ne correspondent pas exactement à ce qu'on veut dans nos couloirs ». Or l'autre affiche fait comprendre tout autant la même chose. On voit bien qu'il s'agit d'un couple homosexuel. C'est pas votre problème, Laurent. C'est drôle, votre thèse de vrai ou pas vrai censure. Ou c'est de la censure, ou ça ne l'est pas. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où ça n'est pas illégal, eh bien, ça doit être le même droit pour tout le monde. C'est ça, pour tout le monde. Mais on peut avoir aussi une tolérance. Il y a une tolérance vis-à-vis de ces images. Et les personnes qui ont envie de vanter les mérites de ce salon peuvent aussi penser aux jeunes générations. Pour eux, c'est un peu difficile. Mais deux hétéros qui s'embrassent, ça peut gêner les enfants de pédés. Mais on est d'accord, mais il y a de la censure. Je voudrais qu'on arrête de parler de normalité et d'anormalité. Si on interdit une affiche représentant un couple homosexuel s'embrassant dans le métro, il faudrait aussi qu'on l'on interdise aux gens dans le métro de s'embrasser. Si tu es avec ta petite fille dans le métro et que tu vois un homme et une femme, ou deux femmes ou deux hommes s'embrasser, elle va te poser la même question. Et tu vas dire à ces personnes, je vous demanderai de patienter encore 3 ans avant de vous embrasser parce que ma fille n'a que 9 ans et je voudrais lui expliquer ça quand elle en aura 9. Pourquoi ? Je vais vous demander de rejoindre Christophe à l'évêque puisqu'on va recevoir sur ce plateau Clotilde, une lycéenne qui va nous parler, elle, de l'homosexualité et de la censure en général. Voici Clotilde. Bonsoir, salut, donc je m'appelle Clotilde, mais on m'appelle Clo, j'ai 16 ans et demi et des poussières, je suis en terminale au lycée Evelyne Zola et je suis trop vénère, c'est bon quoi. Pourquoi vous êtes vénère? Je sais pas, mais je suis vénère. Ça va, je veux dire, interdire des affiches sous prétexte que ça risquerait de nous choquer, nous, mineurs de moins de 18 ans, mais je suis mort de rire, quoi, lol. Je veux dire, c'est bon, pour nous choquer, il faut quand même se lever tôt, voire pas se coucher du tout. Je veux dire, avec tout ce qu'on voit toute la journée sur le net, les chats, les blogs, le câble, le satellite, le WAP, je veux dire, c'est pas 2 mètres nageurs qui s'embrassent sur un matelas qui vont nous retourner le cerveau, quoi. Excusez-nous, mais no shocking, lol. L'homosexualité, on peut le dire aujourd'hui, n'est plus tabou chez les jeunes. Ah, mais carrément pas, mais chez nous, c'est même la normale attitude. Je veux dire, au lycée, on est tous comme ça. Enfin, je veux dire, c'est l'hétérosexualité qui a ce bine. Ah, mais nous, mais les couples hétéros, ils sont obligés de se cacher à la récré, sinon ils se font vilipender devant tout le monde. On gueule, hétéro, tête de veau, je suis mort de rire. Et vous, quand même, comment vous vous situez vous-même? Moi, je dirais que je suis bi non pratiquante. Mon mec, en fait, il est gay à 100%, sauf que pour l'instant, par rébellion, il préfère sortir qu'avec des filles. Enfin, je dirais qu'il est temporairement lesbien. Mais je veux dire, les appellations, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est libre, ouais. Ok? Et qu'on n'a plus envie de suivre vos vieux schémas ringards, qui d'ailleurs n'ont jamais fait leurs preuves. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, tu parles. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdes, ouais. Je suis mort de rire. Vous voulez pas vous marier, donc ça on a compris, et non plus faire des enfants. Ah bah non, c'est bon, je m'appelle pas Jean-Bernard Hébé, quoi, ça va. Ah, me marier, faire des enfants, laisse tomber la honte. Je veux dire, on est peut-être jeunes, mais on n'est pas des adomasos, quoi. Moi, je veux pas suivre la route de ma mère. Moi, j'ai décidé qu'à 25 ans, je me paxe avec ma meilleure amie, on fait un enfant avec un couple d'homosexuels sans papier, ok. Après, on divorce à l'amiable, je prends la nationalité africaine et je vais vivre au Népal avec ma fille adoptive, ok. Voilà, c'est ça ma vie, alors facile. Je suis quand même obligé de vous demander ce que votre famille en pense. Moi, c'est-à-dire que je suis issue d'une famille biparentale, la honte, ils sont encore ensemble. Donc je suis obligée de les secouer un peu, quoi. Je veux dire, même mon père, ce blaireau, je lui dis, mais vas-y, mais lâche-toi, mais open your mind, et puis open your ass aussi. Je lui dis, mais... Non, mais c'est bon, mais je lui dis, mais t'as qu'à coucher avec ton pote Didier, déjà qu'il couche avec ta femme. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit cocu à mon père, cocu papa. Est-ce que vous sentez que la censure est plus grande aujourd'hui? Ah, mais grave, mais la censure, c'est un fléau. Je veux dire, au lycée, nous, on la sent tous les jours. Déjà, par exemple, on n'a pas le droit de parler en cours, alors que les profs, ils ont le droit, quoi. Je veux dire, c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on peut même pas répondre au téléphone dans les cours. Je veux dire, si c'est pas de la censure, j'aimerais bien savoir ce que c'est, quoi. De l'autorité, c'est de l'autorité. Ouais. Bon.
Bon, en tout cas, on est super vénères. Et je peux vous dire qu'on va se manger un jour. Il va y avoir on va vous renvoyer la censure un jour ou l'autre. Bon, je fallait le niquer. Non, mais c'est vrai, on est super vénères. Même, on va refaire un mai 68, c'est prévu. Je peux vous dire que ça va tout péter. Parce que franchement, d'ici 2068, on a le temps de s'organiser, ok? Faites gaffe. Salut. Florence Foresti. On remercie Régis Ducorti, merci beaucoup. Nous allons maintenant parler théâtre, en accueillant sur ce plateau Marianne Denicourt, une comédienne certes discrète mais talentueuse, aussi à l'aise au théâtre que dans des films d'auteur ou même des comédies plus légères comme À mort la mort, Monique ou Quelqu'un de bien, le film de Patrick Timsit. C'est pour une pièce de théâtre que Marianne Denicourt vient nous voir ce soir, puisque depuis mardi dernier, elle est à l'affiche de La Musica, une pièce écrite par Marguerite Duras et mise en scène par Nicole Aubry à l'Atelier. Elle partage la scène avec Bernard Yerles. Pour tester ensemble La Musica, accueillons tout de suite Marianne Denicourt. Bonsoir. Précisons que c'est à 19h au théâtre de l'Atelier, car si les spectateurs y vont un peu plus tard, ils tomberont sur Emmanuel Devos et Lambert Wilson. À 21h. À 21h. Est-ce que vous connaissez aussi la pièce des autres et que vous pouvez permuter de temps en temps? Ah ben, on peut en parler. C'est la pièce Créancier, voilà. Qui elle se joue à 21h. Vous jouez juste avant, à 19h, cette pièce de Marguerite Duras. C'est la première fois que vous jouez du Duras? La première fois. Ouais. Et ce sont des mots faciles à mettre en bouche? Non, c'est pas facile parce que Duras, elle fait partie de ces gens, on a l'impression de la connaître, on a tous un avis sur Duras, et en fait, eh bien, on la connaît pas parce qu'elle a été, caricaturée, et c'est une femme prodigieusement intelligente, qui était une grande amoureuse, et qui, là, raconte une histoire d'un couple qui se défait d'une façon très précise, très bouleversante, et très drôle, parce qu'elle est comique, Duras, hein. C'était une femme rieuse, quoi. C'était pas, si vous voulez, c'était quelque chose plein de vie. C'est une femme pleine de vie. Ça s'appelle La Musica. C'est une pièce, c'est un grand classique hein, de Duras. Il faut dire qu'elle a été jouée. Oui. Est-ce que c'est Miu Miu, Isabelle Huppert? J'ai un doute qui a joué. Miu Miu. C'est Miu Miu, hein, qui a joué. Vous l'aviez vu? Non. Non. C'était Gérard Miller, vous êtes allé à l'Atelier? J'y suis allé. Si on veut commencer à voir sans doute du Duras, il faut aller voir cette pièce. J'ai un grand regret. Je suis allé avec Elsa qui donnera son avis tout à l'heure et je n'ai pas fait une chose qu'on va faire ce soir, mais je le dis sérieusement, c'est qu'il faut, pour la plupart des gens, sans doute un petit mode d'emploi quand on va voir Duras. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à voir un théâtre avec des rebondissements, avec des cris. C'est au contraire un théâtre très intimiste. C'est un théâtre où il y a beaucoup de silence. Regardez la télévision. Dès qu'il y a un silence, immédiatement à la régie, ils ont peur. Là, vous avez des silences. Pendant ce silence, qu'est-ce qui se passe? On dit, il ne se passe rien. Si, vous pensez, vous dites qu'est-ce qu'elle va répondre, vous dites qu'est-ce qu'elle aurait pu dire. Il faut accepter une heure de génie absolu, mais tranquille, avec des rythmes qui ne sont pas les rythmes. Votre façon de faire l'apologie du silence en étant aussi bavard est formidable. Mais c'est comme ça. C'est vrai, c'est-à-dire que chez Duras, plus ça se vide, et plus ça se remplit. Ah bah dis-moi. Alors quelqu'un qui arrive à faire quelque chose comme ça, c'est tout à fait extraordinaire. On ne sait rien de ces gens-là et on comprend tout ce qui leur arrive. Elsa Fayer, vous étiez à côté de Gérard. Ah oui, j'étais à côté de Gérard. Je vais vous dire, j'ai alors absolument rien contre votre jeu. Je trouve que vous êtes une excellente comédienne. Je vous ai vu dans beaucoup de films où je vous ai beaucoup aimé. Quel compliment, je n'ai rien contre votre jeu. Non, ça, mais j'ai déjà entendu. Je dois avouer que pour moi, Duras m'ennuie. Oui. Pour moi, je n'arrive pas à trouver la profondeur derrière un silence. Juste oui. qui ponctue un dialogue d'une banalité, pour moi, sans pareil. Alors, on dit un peut-être et on reste 3 heures sur le peut-être. Je veux dire, moi, je ne comprends pas ce qu'il y a derrière le peut-être. C'est-à-dire que pour moi, peut-être, on enchaîne avec quelque chose. Ou alors c'est ça, peut-être... Non, c'est beaucoup, c'est ça. Tu trouves ça un peu... Tu trouves ça... Ça paraît un peu long. Elle m'a dit tout à l'heure, Duras, celle qui dure vraiment plus longtemps. Non, mais... Les gens qui voient derrière ces silences des trucs incroyables. Moi, derrière les dialogues de Duras et ces silences, je ne vois rien. Mais c'est normal, ça ne m'étonne pas. Enfin, je veux dire, ça m'étonne pas. C'est pas une critique. Non, mais c'est méchant, ça. Non, c'est pas méchant du tout. C'est simplement, c'est normal que vous n'aimiez pas Duras. Peut-être Duras ne vous aurait pas aimé. Non, c'est possible. Je pense que ce serait pas. Non, mais je comprends tout à fait qu'il y a des gens avec qui ça ne colle pas. Ouais. C'est stylé. Non, alors moi, ce qui m'intéresse, bon, au-delà de Duras, que j'adore, mais bon, j'aime beaucoup lire Duras. Je sais pas, j'ai pas vu de pièces, mais vous m'intéressez autrement. C'est-à-dire que vous êtes d'abord une des plus jolies actrices françaises, comédiennes que je connaisse. Vous êtes vraiment ravissante sous tous les angles. J'ai vu des photos de vous dans Elle, partout.
surtout, à chaque fois, je vous regarde, je dis, qu'est-ce que vous êtes belle, Marianne. C'est moi qui lui ai écrit son texte. Non, c'est vrai. Ça vous cache quelque chose. Vous êtes belle, vous avez, pareil, une très... Oh, puis cette photo, regardez ça, c'est magnifique. Vous avez une bouche splendide. Vraiment, vous me fascinez. Mais je ne vous connais pas, je ne sais rien de vous. Quand j'ai regardé votre filmographie, là, je me suis dit, mais elle a fait tout ça. Et comment se fait-il que vous soyez aussi peu célèbre? Excusez-moi, le prenez pas mal. Ah ben, je le prends pas mal du tout. Mais alors, pas du tout. Comment se fait-il? Je ne sais pas, peut-être parce que c'est pas dans mon tempérament de faire des choses que d'autres font plus facilement, mais je n'ai pas de réponse. Vous savez, mon envie première, c'était pas d'être célèbre. Je veux dire, c'était d'être actrice, hein, donc c'est ce que je fais. Oui, mais pourquoi vous ne proposez pas des films mais... dans Jet Set, des comédies avec Kim Seed? Mais j'ai fait une comédie avec Kim Seed. Ah bah merde. Juste pour dire un truc, sur votre livre Mauvais Génie, que vous avez publié à la suite de la sortie du film d'Arnaud Desplechin, qui s'appelle Roi et Reine, et vous vous scandalisiez de la façon dont il avait scénarisé et mis en scène et représenté une partie de votre vie et pillé votre vie privée. Ça vous dérange pas que, non, bah, que je vous en parle? Non, parce que je n'ai pas lu le livre, mais en préparant l'émission, j'ai vu beaucoup d'articles. Et certains articles, notamment un article de Becbédé absolument incendiaire vous concernant, et en même temps, d'autres... J'ai amené un petit papier, je savais qu'on me posait... Non, mais d'autres dans lesquels vous parlez, vous expliquez, parce que je crois qu'on ne vous a pas beaucoup vu... Regardez. On ne vous a pas beaucoup vu en télé à propos de ce livre. Non, d'ailleurs, vous m'aviez invité, je n'ai pas tenu à venir, parce que pour moi, le but de ce livre, ce n'était pas du tout de le promotionner, de le vendre. Non. Le but de ce livre, c'était de faire quelque chose qui reste et qui témoigne. Mais le sujet est passionnant. Voilà, le sujet est tout à fait passionnant. Il se trouve que ça m'est tombé dessus, et comme on dit, la liberté, c'est de... chacun a sa liberté, c'est d'être responsable de situations qu'on n'a pas choisies. Je n'ai pas choisi cette situation. Je ne vois plus Arnaud Desplechin depuis plus de 10 ans. Il a fait ça. Alors, peut-être un peu, pardon, hein, mais en voilà. Trois mots, résumé. Est-ce que je peux expliquer moi-même? Vous avez partagé la vie d'Arnaud Desplechin pendant un moment. Non, je n'ai pas du tout partagé la vie d'Arnaud Desplechin. On a eu une aventure. Oui, Non, mais je n'ai pas partagé sa vie. C'est pas pareil. Et en tout cas, il s'est servi de cette aventure pour s'inspirer pour le film qu'il a tourné ensuite. Alors, si vous voulez, Desplechin, il a fait ça à moi, mais il a fait ça avant et il fera ça après. Il faut savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui, tout d'un coup, ça m'est tombé dessus pour quelque chose, à essayer de comprendre le comment du pourquoi. Desplechin fait comme ça. Là, il s'est emparé de toute ma vie avec des histoires assez douloureuses, de gens qui ne sont plus là, d'un enfant. Il a raconté tout ça et à sa manière, c'est-à-dire en faisant des petits arrangements avec la vérité très grave, si vous voulez. Voyez, j'ai donc été obligée de rétablir la réalité des faits. Donc j'ai écrit ce bouquin avec Judith Pérignon parce que je ne pouvais pas laisser passer ça et qu'il fallait, quand on est victime de quelque chose, il ne faut pas rester victime, il faut se défendre. Et si vous voulez, il y a un truc avec la perversion, parce qu'il est très clairement pervers, pas dans le sens moral du terme, mais dans le sens pathologique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de voir. Est-ce qu'on voit un grand auteur qui, derrière l'écran de sa création, fait œuvre? Ou est-ce qu'on voit un type qui fait un truc tellement salaud que c'est à peine concevable? Et si vous voulez, il joue avec ça, et j'étais absolument piégée là-dedans, parce que moi, il pensait que comme il y avait l'œuvre et la création, je n'aurais plus qu'à la boucler. Et je ne l'ai pas bouclée. Et si vous n'aviez pas réagi, et si le public avait simplement pris ça comme une œuvre de fiction... Mais ce que les gens ont pris comme une œuvre de bien fiction, sûr. Mais moi... Mais si vous en auriez souffert... Mais bien sûr, une femme qui se fait violer, il faut qu'elle aille témoigner. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a une agression, on ne peut pas subir une agression, il faut se défendre de l'agression. La dignité, ce n'est pas de la fermer, la dignité, c'est de dire non. Et vous savez que je n'ai pas du tout apprécié de faire... Je n'avais pas envie de faire ça. On revient à Duras et au théâtre, si vous le voulez oui, bien. Bah oui, parce que c'est quand même le sujet. Avec Jean-Bernard Hébé, un mot. Vous venez de débranler les convictions les plus intimes que j'avais. Sur quoi? Jusqu'à maintenant, et surtout quand... Je ne vous connaissais pas, moi non plus, et je le regrette maintenant mais encore plus. Mais nous nous connaissons, moi non plus, je ne vous connaissais pas maintenant. Ce n'est qu'un début, oui. Voilà. Alors, j'ai lu tout ce que vous avez fait, notamment les pièces de théâtre, les films et tout, et... J'avais le tort, je le concède, de penser que toutes les femmes qui jouaient des pièces intelligentes étaient des tons avec des cheveux gras. Et vous venez de me prouver exactement le contraire. Je suis complètement choulou. C'est fantastique. Comment faites-vous pour être à la fois aussi intelligente et aussi belle? C'est très énervant. C'est dégueulasse. Christophe Alévèque. Allô. Une espèce d'absent. Personnage durassien. Personnage absolument durassien, avec une jolie chemise violette.
Le silence. Tout à fait charmant, parce qu'elle était très séductrice, alors elle regardait les garçons en les appréciant beaucoup. J'adore les silences. C'est vrai que, Gérard le disait tout à l'heure, à la télé, il n'y a jamais de silence. Et quand on va voir des pièces de théâtre, il n'y a jamais de silence. Et moi qui fais des spectacles, qui fais des one-man shows, j'ai réussi à piger ça. C'est Sylvie Joly qui m'a fait comprendre ça. C'est que c'est dans les silences qu'il se passait le plus de choses. Parce que ce sont les gens qui écrivent la pièce ou qui finissent nos phrases. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller voir votre pièce. Mais dans ce silence, malheureusement, c'est surtout vous qui avez parlé quand je n'ai rien dit. Est-ce que c'est un silence gênant ou est-ce que je vous regardais bizarrement? Est-ce que vous avez senti chez moi une sorte de tordu sexuel? Est-ce que... Je ne sais pas ce que vous dégagez de premier abord, mais si vous le dites. Très bonne réponse. Parfait. À l'atelier, 19h, Marianne Denicourt dans la Musica. Merci à vous. Merci à vous. La semaine dernière, nous recevions sur ce plateau Irina Tarasov-Villeray, la première épouse de Jacques Villeray, qui était venue pour nous présenter son ouvrage dans lequel, vous savez, elle racontait ses 20 ans de vie commune avec le célèbre comédien. Ce soir, c'est Cénie, la dernière compagne de Jacques Villeray, qui est notre invitée, puisqu'elle a elle aussi sorti une biographie intitulée « Jacques Villeray, mon bébé blanc » aux éditions du Cherche Midi. Les deux livres sont un peu en concurrence en ce moment, on va en parler ensemble. Espérons quand même que les femmes d'Eddie Barclay ne vont pas elles aussi se mettre à écrire sur leur mari, parce que là, on ne serait pas rendu quand même. Pour tester ensemble Jacques Villeray, mon bébé blanc, accueillons tout de suite Cénie. Bonjour, je vais vous aider parce qu'avec le talon aiguille, je vous en prie. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Pardon. Merci. De vous avoir reçu en position numéro 2. Nous avons reçu effectivement la semaine passée, j'allais dire, votre concurrente. Est-ce que vous vous sentez rivale avec la première femme de Jacques Villeray? Non, parce que ce n'est pas comme au Sénégal, ce n'est pas une co-épouse. C'était pas, je ne sais pas, on n'était pas deux femmes en même temps. Vous l'avez lu son livre? Non, mais on me l'a lu. On m'a presque... Lui, le contenu. Voilà. Est-ce que vous saviez, quand vous alliez publier votre livre, qu'un autre se préparait? Lequel des deux a été terminé en premier? Vous savez ça? Je ne sais pas. Moi, j'ai terminé depuis longtemps. Maintenant, c'était l'éditeur à voir quand il va le sortir. Et je ne savais pas qu'elle sortait un livre. Ça vous dérange? Oui, quand on m'a dit qu'elle sortait un livre, ça m'a embêtée parce que j'ai dit on va me comparer à elle et que je ne veux pas qu'on me compare à elle. Alors vous êtes la dernière compagne de Jacques Villeray, celle qui l'a accompagnée jusqu'à la fin. Combien de temps vous avez vécu avec? 3 ans. 3 ans. Mmh. Est-ce que vous pouvez re-raconter, même si c'est dans le livre, pour nos téléspectateurs qui, eux, ne l'ont pas encore lu, votre ouvrage, comment vous l'avez rencontré, Jacques Villeray? Au théâtre à Lille, Sébastopol, parce que j'ai toujours eu envie de connaître Jacques. Et voilà, je suis venue, j'ai dit, je viens du Sénégal. Quand on m'a empêché de rentrer, j'ai dit, je viens du Sénégal rien que pour voir Jacques Villeray. Et voilà, on m'a laissé rentrer. Oui, j'ai menti. J'ai menti, ça marchait. Et au deuxième, devant sa loge aussi, j'ai répété ça. Et c'était, comme je dis, ça fait partie de mes plus belles moments où j'ai vécu avec Jacques. Et après, voilà. Vous n'êtes plus quittée? Non. Et vous allez m'engager comme habilleuse ensuite? Alors, Jacques ne voulait pas que je travaille, parce que lui, il me disait, métier d'habilleuse, c'est trop dur, et comme tu es trop sensible. Mais comme je suis têtue, j'ai arrivé à travailler à ses côtés. Philippe Gueluc, on sait, la semaine dernière, les réserves que vous aviez émises sur le livre de sa première compagne et épouse. Ce livre-là, alors, est-ce qu'il vous gêne autant? Ah non, au contraire. Parce que je trouve que Cénie, vous parlez de Jacques Villeray d'une façon qui me plaît, d'une façon touchante, d'une façon... mais vous racontez... comme vous êtes, et vous racontez cette belle histoire d'amour qui a ensoleillé les 3 dernières années de sa vie. Et rien que pour ça, je vous dis merci. Ce qu'on a dit, je ne suis pas le seul à m'être un petit peu énervé sur le livre de la semaine dernière. Je sens des choses pas très claires derrière ce bouquin. Et on sait qu'un livre, s'il marche, peut rapporter de l'argent.
On avait proposé à Irina de verser les droits d'auteur qu'elle récolterait à une association qui défend les alcooliques. Oui, à ça, je peux dire qu'on a reçu beaucoup de mails de téléspectateurs qui vous ont reproché de lui avoir dit ça. Ah, ils ont dit, est-ce que Gueluc verse les droits d'auteur pour le chat à la SPA? Ici, visiblement, dans ce que vous racontez, à la fin, ça a été terrible pour vous. Vous vous êtes senti rejeté, exclu par la famille. Vous avez retrouvé vos affaires dans l'appartement que vous partagez avec Jacques, vos affaires mises comme ça dans un sac poubelle. Et visiblement, on a voulu vous expulser de sa vie. Je ne sais pas quels sont vos moyens de subsistance aujourd'hui, mais j'imagine que vous n'êtes pas quelqu'un de riche. Alors, je vous souhaite que ce livre marche et merci. Qu'il vous aide à vivre pour continuer à nous parler de lui. Merci. Gérard Miller. C'est évident que ce n'est pas la même situation que la semaine dernière. Manifestement, il avait trouvé avec vous quelque chose qui le rendait heureux. Je ne suis pas convaincu que ça valait un livre. C'est-à-dire, je ne suis pas convaincu qu'il y avait suffisamment de choses à dire. Mais à partir du moment où vous l'avez écrit, je trouve effectivement que c'est un livre plutôt sympathique et qui rend, c'est ça qui est pénible, qui rend encore plus désagréable l'autre, je dois dire. Mais moi, ça fait 10 ans que j'écris dans mes cahiers. Alors, c'est vrai que dans ce livre, on voit beaucoup la partie Jacques Villeray, plus que partie Sénégal. Parce que moi, quand j'écrivais, ce n'était pas pour que les gens le lisent. Non, mais Céline, vous pouvez comprendre juste notre réticence. C'est-à-dire que nous sommes ici dans une émission où nous recevons très souvent des gens qui écrivent des livres, le cadavre n'est pas encore froid. Et le silence, et l'en parler avec ceux qui l'aiment, ça me semble mieux que de publier. Je vous donne mon avis ça, pour tout vrai. Le monde. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi je disais au début non, tout au début, parce que c'était trop tôt, non. Et que c'est vrai, la période de deuil, je l'ai respectée aussi par mon éducation et ma religion. C'est 4 mois, 10 jours, période de deuil, je crois que je l'ai respectée de ce côté. Peut-être que pour les éditeurs, c'est 24 heures. Le titre Mon bébé blanc, on peut l'expliquer pour ceux qui ne le sauraient pas. Encore lui, il vous appelait comment? Bébé noir. Et donc vous l'appeliez Mon bébé blanc. Ouais. Elsa Fayer. Alors moi aussi j'ai été très touchée par votre bouquin parce que je trouve que vous avez écrit les choses avec beaucoup de pureté. En revanche, j'ai eu du mal à comprendre parce que vous expliquez pas beaucoup aussi, vous avez quand même pas mal de réserves sur l'hostilité de la famille de Jacques Villeray à son décès. Pourquoi vous avez été, à leurs yeux, une menace à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont jeté de l'appartement? Pourquoi ils ont voulu si vite vous exclure de sa vie sans vous donner la moindre chose, sans même vous respecter? Tout ce que je sais, ils ne pourront jamais me faire encore plus mal de ce qu'ils m'ont fait, mettre mes habits dans des sacs poubelles. Christine Bravo. Mais vous ne pensez pas simplement que c'était des gens racistes? Je ne sais pas, moi, il y a beaucoup de Jacques m'avait donné beaucoup de conseils dans sa vie par rapport à d'autres personnes, proches ou non proches, que je n'ai jamais écoutées. Mais par contre, je vais tenir toujours ce qu'il m'a dit. Mes parents, ils ne sont pas racistes. Ils sont tous sauf racistes. Alors, autre question. Est-ce qu'il avait de l'argent? Le niveau de vie sur lequel vous viviez, c'est-à-dire, est-ce que vous partiez en voyage? Non. Est-ce que vous alliez dans des grands restos? Jacques, c'était un homme très, très simple. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre quand on dit que Jacques aimait le luxe. Des fois, quand on n'allait pas au restaurant, on descendait rue Marbeuf. Une fois même, on vous a vu dans un restaurant italien. Exact. Et vous ne nous avez pas vu. Ah si, je vous ai vu. Je ne dérange pas un couple. Parce qu'on vous a appelé, Jacques voulait me présenter. Il dit Laurent. Mais comme il parlait tout doucement. Oui, mais il est très timide, Jacques. Oui, il est très timide. C'est très dur d'aller vers lui. Mais je le croisais quasi une ou deux fois par semaine dans le quartier, effectivement. Voilà, on allait chez le Lyonnais, chez un petit Chinois qu'on appelait notre cantine. Toujours avec une femme différente. Il n'y avait rien de luxe. C'est vrai. Jean-Bernard Hébé. À ma grande surprise, j'ai lu l'intégralité de votre livre, de la première à la dernière page. Et, bon, ce n'est pas de la littérature, mais c'est un cri incroyable. Et moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est vous, parce que vous avez, excusez-moi de vous le dire comme ça, parce que vous êtes une femme belle, à l'aise, souriante. Libre Non mais, c'est incroyable. Alors donc, ton divorce est fini. Non mais, votre vie, excusez-moi, c'est comme la chanson, c'est ni 30 ans, rien que du malheur. Vous naissez, vous êtes dans une famille au Sénégal, tout le monde vous bat, tout le temps, ça se passe très très mal, puis vous tombez sur Jacques Villeray, avec qui ça se passe pas toujours très bien, il faut quand même le dire. Donc en fait,
Moi, c'est vous qui m'inquiétez. Et là encore, ce n'est pas parce que vous êtes libre, mais qu'est-ce que vous allez faire après et qu'est-ce que vous faites maintenant? Et juste ce soir, vous faites quoi? Comment vous voyez votre avenir? Alors, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas, je ne sais pas. Moi, j'aime les gens, je ne vis pas dans le malheur, même avec tout ce qui m'est arrivé. J'ai toujours essayé de trouver quelque chose pour m'accrocher de ce bonheur. Moi, c'était une photo que j'ai trouvée comme ça dans un journal. Fait que cette photo, c'était la princesse, la principauté de Monaco, la famille, que je ne savais même pas, parce que je ne savais pas lire qui c'était. Et que cette femme, qui est Grace Kelly de Monaco, c'était ma mère, c'était mes frères, mes sœurs, mon père. Et que j'ai vécu pendant des années avec cette photo, les photos. Et c'est j'ai vous appris qui avez à aimer. Un enfant avec Albert. Oui. Tu Christophe Alévèque. Alors moi je dis non, mais alors non. Mais non, rien que pour tout ce que j'ai entendu, dis... T'avais écrit ça avant qu'on parle. Non. Alors là, non. Rien que pour ça, alors moi je dis, mais vraiment, mais ça me ferait chier, je m'explique. Que quelqu'un, que ce soit ma mère, mon frangin, ma sœur, surtout ma femme, mon meilleur pote ou mon chien, qui écrivent sur moi, alors que je ne suis pas là, moi, ça me ferait, mais alors profondément, chier. Et comme en plus je veux me faire incinérer, je pourrais même pas me retourner dans ma tombe. Oh, tu sais, un coup de vent. Et c'est pour ça que moi, j'ai lu votre livre comme ça, et dès que vous parliez de Jacques Villeray, je faisais hop. Ça pas dû aller beaucoup, hein. Ben non, à vrai dire, je ne l'ai pas lu. Mais... mais non, mais c'est pas que pour vous, mais moi, à chaque fois, ce déballage, ça m'énerve. Et bon, c'est vrai que je n'ai pas le statut de Jacques Villeray, qui est dans le cœur des Français, qui est quelqu'un d'extrêmement important, mais sait-on jamais. c'est pour ça que, pour parer à toute éventualité, j'ai commencé à écrire le livre que ma femme signera le jour où je vais disparaître. Voilà. Servir soi-même. Voilà, je vous lis simplement le début. Christophe, cet être exceptionnel, à l'intelligence supérieure, à la beauté fracassante, ta gueule. Ce génie universel, à la fois brillantissime et si humble. Mais malheureusement monté comme un canari. Non, tu vois là. Alors tu vois. Voilà. Tu vois ce genre de phrase? Eh ben non, tu vois. Pétri d'humanité, une sorte de perfection au masculin. Toujours attentif, prévenant, tendre, affectueux, patient, avec en permanence un si joli sourire accroché aux lèvres. Jamais il n'est rentré tard le soir sans prévenir. Jamais il n'a bu une goutte d'alcool en trop. Jamais il n'a oublié notre anniversaire de mariage. Tous les jours, un petit cadeau. Un petit bouquet de fleurs, une montre, un appartement, une voiture. Un petit déjeuner au lit tous les matins. Ça, c'est que le début. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. C'est bien mal. Non mais vous voyez les questions que ça crée, le déballage que ça provoque, la lutte avec l'ex-femme, enfin, c'est normal. C'est pas très très sain tout ça quand même. Je sais pas si c'est sain ou non, mais moi je trouve que je suis saine et que je suis fière de parler de Jacques et ça me va. Moi j'ai vraiment un sujet sur lequel j'ai besoin d'une explication. Vous faites une révélation fracassante dans votre livre. Nous avons lu préalablement celui d'Irina. Elle nous disait que Jacques n'était pas en mesure d'avoir des enfants, qu'il était stérile. Et vous dans votre livre, vous avouez que vous avez été enceinte de lui. Oui. Alors moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé réellement. Est-ce que vous avez... Non, mais... Non, mais vous voyez un peu le résultat. Elle est un peu scrunchée, elle, mais... Elsa a raison. À supposer qu'on s'y intéresse en faisant ce préambule, il y a une vraie contradiction entre les deux livres. Vous vous mettiez d'accord, alors... Vous avez vraiment été enceinte de Jacques Villeray? Oui. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Je ne sais pas si je dois montrer les dossiers médicaux, bien sûr, et ses amis proches étaient au courant. Je ne sais pas, je suis tombée enceinte. Moi, j'ai rajouté d'une fécondité hors du commun. Allez, ce sera le mot de la fin. Mon bébé blanc.
Jacques Villeray, c'est signé Sémif, sa dernière campagne. C'est au Cherche Midi éditeur. Restez avec nous pour le qui a vu quoi. On regarde vite fait le classement ensemble. En tête du qui a vu quoi. Seul en tête, Stevie Boulet qui a grillé Caroline Diamant. En revanche, regardez par ici. En dernière position, Jean-Bernard Hébé, 0 points. Je suis fier, monsieur, ça. Mais si. Christine Bravo, 1 point. Et regardez, Miller a l'air d'être avant moi. Et on a le même nombre de points. Ah ben, oui, mais 3 points ex aequo, voilà. Mais mettons les par ordre alphabétique, s'il vous plaît. Première photo. Qu'est-il arrivé à cette jeune femme? Elle ressort un album, c'est pas Pauline Esther? Ce n'est pas Pauline Esther, ah du bon. Tout. Non, c'est... Elle va être contente, Pauline. Elle a gagné quelque chose. Du tout. Elle va sortir un livre sur Jacques Villeray. Non plus. On la connaissait par sa voix. Pardon? On la connaissait par sa voix. Oui, exact. C'est Julie de Ropin. Non. C'est une chanteuse qu'on a bien connue, on l'a même reçue il y a quelques années. Elle est morte. Du tout. Oh, oh, c'est la petite fille qui chantait avec Claude François dans Le téléphone pleure. Ah, oui. Comment c'était la chanson? Le téléphone pleure. Et c'est pas ça. Et c'est pas ça. Je prends plaisir pendant ce jeu. C'est ce qu'elle chantait en son. Pas du tout. Elle chantait encore il y a quelques années. Elle a même représenté la France à l'Eurovision, cette chanson. Marie-Myriam. Non. France Gall. Elle était dans un groupe. Elle était dans un groupe. Je vais vous donner son nom, puisque vous ne la reconnaissez pas. Elle s'appelle Nina Morato. Elle chantait J'ai les boules. Voilà. Alors, Nina Morato. Nina Morato. Ah oui. Il lui est arrivé quelque chose à Nina Morato. Elle a eu un enfant. Elle s'est mariée. Non. C'est pas très grave, Libé nous raconte. Bah, c'est pas grave d'avoir un enfant non plus, ni de se marier. Elle a perdu sa voix. Elle a fait un truc d'une banalité, c'est raconté dans Libé ce matin. Elle a préparé un sandwich. Voilà. Elle est sortie dans la rue. Elle a oui, dit... dans la rue. Elle est... Dans la rue, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a fait un concert dans la rue. Elle a eu un accident de voiture. Elle n'a pas eu un accident de voiture, mais on se rapproche. Elle a conduit une voiture. Non, elle était à pied. Elle a écrasé un chien. Non, elle était à pied. Elle est tombée dans une bouche égout. Non. Elle a fait ses besoins dans le caniveau. Oh la pauvre, arrêtez! Vous comprenez pourquoi j'ai zéro? C'est pour que... Ça fait, regardez, ça fait quand même, ça fait une trentaine de lignes dans Libération ce matin. Laurent, je vais aller téléphoner à la rédaction pour qu'il recule le journal de Alors, elle a heurté quelqu'un. Non, elle a dit, mais tu m'as dit où vous... Elle a même pris une amende de la part des flics. Hein. Elle fait le tapin. Oh. Bah, elle a pissé. Pardon. Elle a jeté un chewing-gum par terre. Elle faisait du roller, elle est rentrée dans quelqu'un. Non. Son chien a fait 4 euros d'amende. Elle a traversé en dehors des clous. Elle a traversé en dehors des clous. Bonne réponse de Philippe Gianni. Au milieu de la chaussée, une voiture de police est arrêtée à sa hauteur. Vous voulez vous faire écraser? Elle a dit non, mais j'attends pour finir de traverser. Un policier lui demande de se ranger sur le côté. Ensuite, le fonctionnaire a sorti un carnet à souche et l'a verbalisé. Ils m'ont collé une amende de 4 euros. Elle dit c'est dérisoire. J'étais de bonne humeur, j'avais envie de traverser en dehors des clous. À quand le prochain signe? Autre photo. Qui? Lamartine. Qui va remplacer ce monsieur? Alors c'est sur un billet. Alors vous avez dit? C'est Lamartine. Bravo, c'est Lamartine. Non, mais dès qu'il y a des questions culturelles, alors... je peux briller. Mais sinon... Alors qui va remplacer Lamartine? C'est peut-être la Nicole, non? Il n'est pas dans le gala. La Nicole. C'est pas sur un billet. Pas sur un billet. Sur une pièce. On ne souffle pas dans le public. Sur un timbre. Pas sur un timbre non plus, non, non. Au théâtre? Au théâtre, comment ça au théâtre? Il joue plus Lamartine. Non mais, écoutez, oui, je sais bien que vous pensez qu'il a écrit Lamartine à la plage, Lamartine à la montagne, Lamartine à la campagne, Lamartine à... Une statue de Lamartine? Pas une statue. Est-ce qu'il s'agit d'un portrait de Lamartine? Non, 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 c'est son nom. Hein? Le nom de la rue. Sur un boulevard. Pas une rue. Une place. Pas une place. Un boulevard. Pas un boulevard. Une station de métro. Un collège, un lycée. Pas un collège. Un aéroport. Pas un hôpital. Un théâtre. Un cimetière. Une banque de sperme. Un théâtre. Une boulangerie. Non. Un square. Pas un square, vous avez failli le dire. Un jardin. Non. Est-ce que... Ça commence par S, hein? Un stade. On brûle un stade. Un stade. Non, j'en veux pas. C'est pas la bonne réponse. Ah bon? Alors, c'est qui? Non, mais on avance petit à petit. Il y a le stade Lamartine. Il y avait le stade Lamartine. Qui va remplacer Lamartine? Quelqu'un de mort ou pas?
Non, quelqu'un de vivant. David Douillet. David Douillet. José Bové. Est-ce que c'est un sportif? Oui. Posez des questions. Français. Un cycliste. Français. Est-ce que c'est un mec? Il est un rugbyman. Footballeur ou cycliste? Footballeur. Zidane. Tony Parker. Attendez, on a... Attendez, pour nos téléspectateurs, on récapépète. On s'en fout des téléspectateurs, on veut gagner. Maradona. Maradona. Est-ce que votre bonheur s'est libéré? Non, Didier Deschamps. Il est toujours en activité. Il est bon. Pardon. Petit. Il est entraîneur? Non. Barthez? Non, pas Barthez, justement. Ah, l'autre gardien. Le gardien actuel de l'équipe de France. Oui, Jean, nommé Coupé. Coupé, Grégory Coupé. Bonne réponse de Christophe Alévec. Vous trouvez que c'est bien qu'on enlève la Martine pour mettre Grégory Coupé? C'est un désastre. Mais oui. Et tant qu'on met pas des poèmes de Grégory Coupé dans la gare des Michards, ça va aussi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On n'a pas le temps de faire d'autres kick à vue kick. Et pourtant, j'en avais des biens. Ouais. Mais là, vous avez été tellement long sur ces trucs-là. Jacques Villeray, mon bébé blanc, c'est signé Ceni. C'est au Cherche Midi. Merci à vous. Merci. Au revoir.